me soya, c'est bon, envole me soya, c'est bon, et c'est bon. Oh, oh, oh. Et c'est bon, envole me soya, c'est bon, et c'est bon. Hey, 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 hey. Oh, c'est bon, et c'est bon. Hey, Takam, tu es rentré. Irène, viens t'asseoir, je vais te parler. Maintenant tu m'appelles. Tu es passé ici comme le volcan, tu me connaissais. Il t'écoute. Normalement, si on était mariés, c'est-à-dire le genre, on a réuni les gens, on leur a donné à manger et à boire. C'est que peut-être actuellement, on est parti en lune de miel jusqu'à on est revenu. C'est que là, on est en train de déballer les cadeaux. Mais bon, comme toi et moi, on a choisi le chemin de la facilité. C'est-à-dire le vieux reste. Je me suis dit qu'il était de bon ton que ce soit moi qui offre ton cadeau, vu que visiblement personne ne va nous offrir de cadeau. C'est comme ça que je suis allé au marché et j'étais pris ce magnifique cadeau. Hein. Ça, c'est pour toi. Ce cadeau part d'un constat qui est simple. J'ai constaté que depuis que tu es arrivé ici, là, tout ce que tu es venu avec, c'était un peu trop mbas mbas. Mbas mbas, ça veut dire quoi, Takam? Mbas mbas, c'est-à-dire... comme la bâche. Attends, dis-moi que tu blagues. Non, non, je suis pas en train de blaguer. Quand tu regardes ce que j'étais offert là, et tu regardes ce que tu viens de sécher sur la corde là, tu vois que l'autre ici est un peu plus soft, non? Oui, c'est soft, Takam. C'est très soft. Mais moi, je me préfère dans mes mbas-mbas, comme tu as appelé. Je suis très à l'aise dans mes slips. Très à l'aise dans mes mbas-mbas. Tout ça. Takam, tu me ramènes les cordes. Tu veux m'étrangler, Takam? Tu veux m'étrangler? On t'a dit que je suis en solution, que si on me découpe le corps, Takam, c'est comment? Ça c'est quoi? Ça, c'est quoi, ça, Takam? Ça s'appelle le string. C'est un peu plus sexy. Et ça permet au corps de respirer. Oh! Comme moi, je t'ai dit que j'ai tout fait. Je t'ai dit que j'ai tout fait, que je voulais la respiration, Takam. Mes slips là, mes mbas-mbas, je me sens très à l'aise dedans. Et je me sens très sexy. Tout ça là, je ne suis pas dedans. Comme c'est problème de respiration là, je vais seulement mourir étouffé. Tu as compris? Je vais seulement mourir, faut pas me ressusciter. Hein. Prends tes trucs. Mais c'est comme si on ne s'est pas entendu à un niveau. Ce n'était pas une doléance ou une supplication. Hein. J'étais en train de te dire que c'est désormais le string que tu vas porter. J'ai dit jamais. Je ne porte pas. Oh, c'est ça que tu vas porter maintenant. J'ai dit jamais. Je ne mets pas. Donc toi, tu ne mets pas les strings. Je ne mets pas. Tu ne mets pas. Jamais. Okay. Oui. Okay. Oui. Je ne mets pas. Oui. Je vais voir. Enlève tout. Enlève, je ne t'arrête pas. Oui. Retire. Oui. Je vais tout ça. Oui, j'ai oui. Tout. Uh-huh. J'ai tout, oui. Je vois ce que tu vas porter maintenant. Je vais rester comme ça. Je vais rester comme ça, va jeter, je reste comme ça. Tu vas rester comme ça, c'est-à-dire? Comme tu comprends là, Takam. Comme tu comprends là, je reste comme ça. Tout ce qu'il y avait dedans là, tous mes caleçons là, j'ai tout lavé et séché. C'est ça que tu as pu t'en jeter, non? Je reste comme ça. Attends. Ça veut dire qu'actuellement, tu es comme ça? Je suis comme ça et je vais demeurer comme ça. Mais tu es comme ça et puis on est en train de causer dehors comment? Allons causer dedans, non? Hé, hey, Irène, oh! Irène, allons causer dedans, non? Tu sais que toi et moi, on ne doit pas avoir les conversations ordinaires, c'est-à-dire les conversations dehors. On doit avoir les conversations extraordinaires. Allons-y causer. Hé, hey, Irène, tu es comme ça depuis quelle heure? Depuis la nuit des temps. Hé, donc ça veut dire que le matin, là, quand il était laissé, tu es resté comme ça? Jusqu'à